Caroline Janvier. Je suis médecin psychiatre et médecin addictologue au centre hospitalier de Cayenne. Cette journée internationale des droits de la femme représente plus de 100 ans de lutte, hein, de lutte féministe, hein, de lutte de femmes militantes sur la condition féminine. Pour continuer de sensibiliser, d'informer, de revendiquer sur les inégalités de sexe, de genre, hein, et les discriminations faites aux femmes. Mais également une journée de célébration, hein, pour fêter les victoires, célébrer les acquis. Et une journée pour transmettre, hein, cet héritage à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes, avec ce devoir de mémoire que nous devons porter. Sur cette question, je vais peut-être du coup parler d'un sujet que je connais bien, hein, qui est celui de la femme à l'hôpital, de la femme en santé en général. Alors, on note, hein, des avancées tant pour les femmes qui travaillent à l'hôpital que pour les patientes. Mais force est toujours de constater qu'il y a des retards à combler. Côté des professionnels, les stéréotypes restent forts à l'hôpital. Hein. On va volontiers se représenter les femmes dans des fonctions de secrétaire, d'assistante sociale, d'infirmière, et plus volontiers, hein, se représenter les hommes à des fonctions de médecin, hein, des fonctions de responsabilité. Donc un retard est encore à combler. Côté des patientes, également, la question pourrait se poser ainsi, hein, est-ce que l'on est moins bien soigné lorsqu'on est une femme que lorsqu'on est un homme? Alors ce serait peut-être polémique de dire oui, mais là également, hein, on note des écarts, hein, dans l'accès aux soins des femmes qui vont avoir des parcours de soins plus compliqués, qui vont plus facilement renoncer aux soins que les hommes. Et là également, hein, des fossés restent à combler. Et il faut vraiment qu'on arrive petit à petit à intégrer des spécificités liées au sexe, mais aussi au genre, pour pouvoir améliorer nos pratiques de soins. Je pense que c'est une question difficile et à mon sens, hein, on aura toujours besoin de cette journée, même si des acquis, hein, sont obtenus. Ce sera important de rester vigilant. L'histoire nous montre, hein, que des acquis peuvent être remis en question. Voilà, cette journée pourrait évoluer en tout cas vers une journée de vigilance, hein, si tant est que l'égalité homme-femme, l'égalité de genre soit obtenue. Hein, cette journée aura toujours sa place pour rester vigilant. En fait. Ça a été. Merci beaucoup. Merci à vous.